Cobrens 2023. 30, 31 mars, la Grande Crypte à Paris. Salut, bah c'était sympa ce petit moment qu'on a passé avec Alexandre Stopniki tout à l'heure, on va le retrouver demain. Comment on s'ennuie un peu en studio parce que personne ne vient nous voir, on a décidé de papoter. Alors moi je m'ennuie avec, pas. Avec Fabrice. Moi Christian, je reviens d'une conférence, c'était sur la Paramount des marques iconiques pour tous les âges. C'était phénoménal et je suis subjugué par les performances d'adhésion à ces conférences. Il y a salle pleine à chaque fois, il y a 150 personnes qui attendent pour chaque conférence. Et en plus, Christian, entre chaque conférence, on est diffusé. En plus, donc ça c'est cool. Nous voit, on leur fait alors un petit coucou. Malheureusement, je l'ai raté, mais je voulais qu'on en profite tous les deux pour se promener un petit peu virtuellement dans les allées de ce Cobrens 2023. On va rappeler peut-être, Christian, pour ceux qui nous regardent, que c'est un salon qui se déroule à Paris aujourd'hui et demain. On est du côté de la rue Boissière, au 69 bis, exactement dans le 16e arrondissement. Le rendez-vous des marques, le rendez-vous du licensing, tout le marché des licences, on va dire en France et même à l'international, puisqu'il y a beaucoup d'internationaux qui sont là, sont présents aujourd'hui. Et il y a des exposants, ils sont nombreux, on peut peut-être en citer quelques-uns. Ah bah ils sont très très nombreux, mais on a reçu tout à l'heure Alexandre pour sa société qui s'appelle 3h33. Mais là, j'ai sous les yeux la liste des exposants. Alors, ce serait bien qu'ils viennent nous voir, d'ailleurs. L'agence 3L, par exemple, pour commencer. Il y a 3h33, c'est juste ouais, à côté. Oui, ça y est, il passait tout à l'heure. Alexandre, ouais. Il est venu nous voir. Il y a notre voisine, APC Kids. Oui, mais elle ne veut pas venir, elle a peur. Ah ouais, elle avait dit qu'elle veut faire l'interview uniquement en anglais. Hein. Ah d'accord. On va peut-être pouvoir la faire en anglais, si on réfléchit. English speaking. Non, je vois des gens comme Alpha Group. Je vois des gens comme Banjay, comme Bayard. Des choses comme ça serait bien qu'ils viennent nous voir. Alors même des gens comme Broadcast s'associent dans ma liste. Il y a Chef Club. Alors Chef Club, tiens, on l'a interviewé pour Cobrens TV. Oui. C'était hyper intéressant la montée en puissance de cette marque de Chef Club. Ils sont présents, vraiment... ils ont pris en photo d'ailleurs l'écran où on diffusait leur vidéo tout à l'heure. D'accord. Il y a Citizen Kid, on les avait rencontrés aussi un petit peu avant. Il y a Crunchyroll, il y a Cyber Group Studio, il y a DEA Planète. On aura le temps de passer en revue un peu tout le monde. France TV, qui va nous parler d'IPTV, justement. Le digital se développe beaucoup pour des groupes de télévision comme celui-là. Ils sont présents sur le salon Cobrens, sur le stand de C1. Il y a Gulli. Gulli est Super RTL. Encore une fois, Gulli, c'est la marque de télévision emblématique pour les jeunes. Homemade Licensing, MGA Licensing, Mattel. L'incontournable, Mattel, évidemment. Les poupées de notre enfance. Absolument, et de l'enfance de beaucoup de gens. Hein. Mediatoon, MediaOne. MediaOne, ouais, tiens. MediaOne, un groupe qui est en train de gagner des parts de marché, véritablement. Je ne sais pas s'ils vont venir nous voir, MediaOne. Il y a Miam aussi. Exactement. Mili Images. La Paramount. Paramount dont tu parlais tout à l'heure. Procidis, Rainbow Music, Redskin, Sagou. Bah tu les as tous, donc C'est phénoménal. Smiley. Harry, c'est nos voisins d'ailleurs. Si vous voyez le stand Harry, eh bien vous êtes juste à côté du plateau. Studio Canal, évidemment, avec toutes ses licences. Supermonks, TF1 Licensing, un des gros acteurs du marché de la licence. Pokémon, on en parlait tout à l'heure avec Vladimir. Ah, Pokémon, c'est quoi? Je connais pas. Pokémon Company, bien sûr. Toei, Universal aussi. Oui, il y a La Warner, avec un grand stand. Très gros intervenant. Ouais. Il est magnifique, le stand de Warner. Ouais. Willy Brain, Ziffel, et puis plein d'autres. Et vous qui nous regardez en ce moment, peut-être sur le salon, venez nous voir, bien sûr, sur le studio. Ou vous qui nous regardez en streaming actuellement sur Facebook ou sur LinkedIn, vous êtes les bienvenus ici à ce salon Cobrens 2023. Et puis pour ceux qui ne sont pas présents physiquement avec nous sur le salon et qui regardent ça derrière leurs écrans, et bien toutes les conférences de cet après-midi, on va retrouver les intervenants principaux de ces conférences et on va faire une espèce de petite synthèse de ces conférences pour notre chaîne de télévision et puis pour vous qui regardez en streaming. Merci monsieur Fabrice, bon ça a été parfait. Bon moment, c'est jusqu'à demain soir, on vous attend nombreux. Allez, générique fin. Rendez-vous le 30 et le 31 mars 2023 sur le salon Cobrens. Et comme d'hab, si vous voulez plus d'infos, c'est sur cobrens.fr. Smile, vous êtes filmé.